La vie et la triste fin de Yul Brynner. Yul Brynner est né Yuli Borisovitch Brynner le 11 juillet 1920 à Vladivostok en République d'Extrême-Orient de Boris Yulevich Brynner, ingénieur des mines, et de Marussia Dimitrievna. Il avait une sœur cadette. La liaison extraconjugale de son père l'a amené à être sous la garde et la direction de sa mère, qui a emmené les enfants à Arbin. En Chine. Là, il a reçu une éducation formelle dans une école dirigée par le IMCA. Craignant une guerre entre le Japon et la Chine, Maroussia décide de déménager avec sa famille à Paris en 1932. En France, Jules s'est passionné pour la musique et a commencé à jouer de la guitare dans des boîtes de nuit russes. Il a suivi une formation d'acrobate de trapèze et a travaillé dans un cirque français pendant environ trois ans avant de subir une blessure au dos qui l'a contraint à quitter son emploi et à entreprendre une nouvelle carrière. C'est alors qu'il se tourne vers la comédie. Avec sa mère, il a émigré aux États-Unis en 1940 et a commencé à vivre à New York. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à travailler comme annonceur et commentateur à la radio francophone pour le Office of War Information diffusant de la propagande en France occupée. Pendant ce temps, il s'est également formé au jeu d'acteur en apprenant sous la direction de l'entraîneur d'acteur russe Michael Chekhov. Il parcourt ensuite le pays avec la troupe théâtrale de Chekhov. Il a fait ses débuts sur scène avec un petit rôle dans *Twelfth Night* de Shakespeare. Il a ensuite travaillé dans la série télévisée *Mr. Jones and His Neighbors*, suivie de la production en 1946 de *Lute Song* avec Marie Martin. En plus d'agir, il a également pris plusieurs missions de modélisation. Et il s'essaye à la réalisation dans les nouveaux studios de télévision de CBS. Il a également joué dans le premier talk show télévisé, Mr. and Mrs. En 1949, il a fait ses débuts sur Grand Écran avec le film Port de New York. Comme il avait déjà une carrière réussie en tant que réalisateur de télévision, il a résisté aux offres d'acteurs. Cependant, sur l'insistance de Marie Martin, il a auditionné pour le rôle de King Mongkut dans la comédie musicale The King and I de Rogers et Hammerstein en 1947. Le rôle du roi Mongkut du Siam lui a valu une immense appréciation critique et populaire. Au cours de sa carrière, il a joué le rôle 4625 fois sur scène. De plus, il a également joué le rôle dans la reprise de Broadway en 1977, la production de Londres en 1979 et la reprise de Broadway. En 1985. Il a repris son rôle de King Mongkut dans la version cinématographique en 1956 et dans une version télévisée de courte durée sur CBS en 1972. Le film lui a valu un Academy Award pour meilleur acteur. Après le grand succès de The King and I, il a joué dans plusieurs films. Il a atteint le statut de superstar avec ses rôles dans des films comme Les Dix Commandements et Anastasia. Ses talents d'acteur brillants et son accent captivant lui ont valu des rôles dans plusieurs autres films, tels que l'épopée biblique Salomon et Saba, en 1959, dans laquelle il a joué le rôle de Salomon, les sept magnifiques, Taras Bulba et Roi du Soleil. Les autres films qui ont suivi étaient Morituri, dans lequel il est apparu aux côtés de Marlon Brando, La Folle de Chaillot, où il a joué face à Catherine Hepburn et la version cinématographique de Les Frères Karamazov dans lequel il a joué aux côtés de Lee G. Cobb. Vers la fin de sa carrière d'acteur, il a joué le rôle principal dans le film The Ultimate Warrior, qui a été suivi de Death Rage en 1976, qui était son dernier film. Il n'a pas limité son talent au jeu d'acteur et à la mise en scène, et s'est plutôt essayé à la photographie, à l'écriture et à la musique. Au cours de sa vie, il a écrit plusieurs livres, dont Bring Forth the Children, A Journey to the Forgotten People of Europe, and the Middle East, et The Yule Brenner Cookbook, Food Fit for the King and You. Les livres comprenaient des photos qu'il avait prises. La vie romantique de Brenner comprenait quatre femmes, l'actrice Virginia Gilmore, le mannequin chilien Doris Kleiner, Jacqueline Thion de la Chaume, et la ballerine Katili, ainsi que de nombreuses histoires d'amour avec des stars telles que Marlene Dietrich, Judy Garland, Joan Crawford et Ingrid Bergman. Il a eu cinq enfants. Yule était un gros fumeur. Il a commencé à fumer à l'âge de 12 ans. Cependant, il a arrêté de fumer en 1971. Douze ans plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon inopérable. Il a subi une radiothérapie pour traiter la même chose. Malheureusement, il est décédé d'un cancer du poumon le 10 octobre 1985 à New York. Sa dépouille mortelle a été inhumée en France au monastère orthodoxe russe Saint-Michel-de-Bois-Aubry, près de l'usée. Avant sa mort, avec l'aide de l'American Cancer Society, Brenner a créé une annonce d'intérêt public à l'aide d'un extrait de l'interview de Good Morning America. Quelques jours après sa mort, il a été diffusé sur toutes les grandes chaînes de télévision américaines et dans d'autres pays. Brenner a utilisé l'annonce pour exprimer son désir de faire une publicité anti-tabac après avoir découvert qu'il avait un cancer et que sa mort était imminente. Il a ensuite regardé directement la caméra pendant 30 secondes et a dit, maintenant que je suis parti, je vous dis, ne fumez pas. Quoi que vous fassiez, ne fumez pas. Si je n'avais pas fumé, on ne parlerait pas aujourd'hui de cancer. J'en suis convaincu. Merci d'avoir écouté l'histoire de la vie et la triste fin de Yul Brenner et je vous souhaite à tous une bonne santé et bonheur et à la prochaine vidéo.